Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre petit calendrier de l'Avent. Nous sommes au jour 9. Alors le libellé, c'est il est vraiment temps de mettre mon magnifique sapin. Donc sur la photo, sur notre petite création, il doit y avoir le sapin et des décorations. Alors voilà, j'ai choisi un fond sapin. J'ai choisi le sapin de cette planche que j'ai eu chez Love Art. Donc, je suis venue mettre des petites boules, des guirlandes, et puis la petite étoile qui est ici. Donc, mon petit sapin de Noël. Et puis, j'ai envie de mettre cette jolie poupette de la planche 1192. J'ai aussi des petits bonhommes en pain d'épices que je peux venir mettre, pourquoi pas, pour décorer le sapin. Et puis, des petites écritures. Voilà, donc on va mettre tout ça sur le côté et puis on va faire le fond. Alors pour le fond, j'ai ces deux pochoirs qui font Noël. Donc je mettrai bien celui-là. Oh, je suis en train de tout arracher la pochette. Elles sont. Les rabats sont tellement trop grands, à chaque fois ça s'arrache ici. Je devrais le couper, mais après ça a pu coller. Bon, enfin, ouais. Donc, j'ai envie de mettre ça. Je ne sais pas trop quelle couleur faire. Ouais, je ne sais pas quelle couleur faire. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Alors. Dans les verts, dans les bleus, dans les roses, dans les bleus, dans les bleus. Allez. Je vais faire un peu toutes les couleurs. Hein. Si je reste dans les verts, ça va peut-être faire trop vert. Ou alors, il faudra un fond un peu plus neutre, peut-être. Oh, oh là là, j'aurais dû préparer avant. Bon, je vais ressortir mes deux. Quand je sais pas quoi faire, je fais celle-là. Allez, on va faire du tie-dye. Alors, je fais du wallpaper et du tie-dye par-dessus. Et c'est parti. Il n'y a pas, il faut se décider à un moment donné. On ne peut pas rester comme ça. Hein. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est la création pour le 9 décembre. Donc, c'est aujourd'hui. Voilà. Je vais essayer de mettre des branches de ça au fond. Marque super bien. Voilà. Bon, ça me plaît bien. Donc, c'est du wallpaper et du tie-dye. Et le pochoir, c'est le hashtag 232. De chez Olin Create. Voilà. Donc, on va faire ça. Ensuite. On va repasser un peu sur les contours. Voilà. Je ferai bien une petite projection, hein, bien sûr. Ça fait longtemps. Hein. C'est dommage, j'ai pas pensé à. À refaire de la peinture blanche. Alors ça va aller, on avait encore un petit peu. C'est parce qu'il y a le week-end entre deux et j'avais rangé mes affaires.
Voilà. Bon. Et bien, comme d'habitude, je sèche hors caméra et je vous reprends tout de suite. Donc, je vous reprends. Voici ce que ça me donne. J'aime bien. Je vais faire le petit tour noir comme d'habitude. D'habitude, je fais hors caméra, mais là, j'ai rallumé trop vite. Donc, hop là, mon petit tour noir. Oh, bah alors, pourtant, il n'est pas vieux. Ah mince. Ça m'énerve quand mon bracelet claque sur la vitre en verre, là. Ça m'agace. Bah, d'un côté il veut, de l'autre côté il veut pas, c'est bizarre ça. Je fais des fonds assez simples, mais je le trouve joli. Voilà. Donc, il faut que je le mette dans le bon sens. Donc, c'est dans ce sens-là. Je vais le coller tout de suite. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de mettre son sapin de Noël quand même, parce que quand mes enfants étaient petites, on décorait beaucoup, mais je mettais beaucoup de choses. Puis bon, plus il vient, moi j'en mets, mais je continue quand même à mettre mon sapin. Après, je trouve que les goûts changent. Maintenant, je préfère les tons plus naturels, avec du blanc, du doré, de l'argenté, un peu de rouge, mais je mets plus toutes les couleurs comme j'ai pu faire dans le passé, quoi. C'est les goûts changent en vieillissant, je trouve. Avant, j'aimais bien changer de couleur tous les ans pratiquement. Ah, j'ai oublié mes petits bonhommes, mon pain d'épices. Je vais vous reprendre, je coupe 2 secondes. J'ai pas de chute de papier sous la main. Donc voilà, j'ai maté en marron, en craft, parce que je trouve que ça suit bien. Je regarde un peu ici, je vois que j'ai encore des... mettre un petit paquet cadeau au pied du sapin ou un truc comme ça. Je vois que j'ai des boules de Noël aussi. C'est le... ce bloc de papier là, donc je mettrai bien quelques boules de Noël. L'autre là, elle était trop claire, celle-là elle va pas ressortir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah, une verte. C'est peut-être gros, non? Là, j'ai des petites rouges. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre par 3. C'est seulement un peu. Celle-là, mais en fait, elle n'est pas de la même couleur, en fait. Qu'est-ce que je peux trouver d'autre? Là, c'est gros. Les cloches, j'aime pas. J'ai jamais aimé les cloches pour Noël. Pour moi, les cloches, c'est pas. Alors, là c'est pareil, la couleur se rapproche trop de mon fond. Bon, je vais peut-être rester comme ça du coup. Ouais, je vais rester comme ça. Ça ira.
va passer au collage. Donc, je colle mon sapin dans le fond. Le sapin, je l'ai mis en couleur au feutre alcool. Feutre alcool que j'ai de chez Action. Je fais un petit peu un mélange de trois verres. Alors, je veux qu'il dépasse un petit peu. Essayer de mettre droit quand même. Mais j'ai envie qu'il dépasse. Voilà. Oh, ça collait à mon doigt. Alors, je vais mettre un petit paquet cadeau ici. Ah bah bon sang. Je trouve que un, c'est pas assez. Faudrait que je mette un petit autre chose. Après, je vais mettre les petits bonhommes de pain d'épices dans le sapin. Je vais remettre ça là. J'ai une petite branche qui fera un petit décor. Il manque un petit truc là. J'ai un deuxième petit cadeau peut-être. Petit bonhomme, ça va faire trop. Bon, j'ai plus de petits cadeaux en fait. Bon, puis maintenant je l'ai collé. Je peux pas dire de pas le mettre. Bon, je mets un peu plus boy, je fais un décor avec ça. Ouais, ça va aller comme ça. Je vais mettre ma petite poupette un peu en relief. Que je vais la mettre ici. Ça, je vais le laisser là. Je ne le mets pas en relief parce que sinon je vais être embêtée pour mettre ma petite branche. Comme ça. Je vais mettre ma petite branche. Donc la petite poupette, je l'ai colorisée au crayon de couleur polychromos. J'aime beaucoup ces crayons. C'est les premiers crayons que j'ai en vrai bon crayon, quoi. Et c'est vrai que ben ça va nettement bien, quoi. Sinon, j'ai toujours eu des petits crayons de couleur. J'ai toujours aimé, même étant toute petite, j'ai toujours bien aimé colorier. Après, je suis toute seule, je suis fille unique. Donc, jouer tout seul, c'est pas toujours évident. Colorier, on peut le faire toute seule. Mais ouais, j'ai toujours bien aimé. Alors, en fait, je voudrais faire une descente de boules. Alors, mes petits bonhommes en pain d'épices, je vais les coller et je viendrai mettre du poussé accent dessus. Donc, je vais en mettre un par ici et un par ici. C'est dommage, ça me cache un peu mes grosses boules dorées. Je vais les mettre un peu en dessous. Je pense que je viendrai mettre du poussé accent aussi sur la petite étoile et puis certainement les boules dorées aussi. Donc voilà, je vais prendre mon crayon, ma règle, et puis je vais venir tirer des traits ici, jusqu'au cadre en fait. Hop, voilà. Voilà ce que je voulais faire. Ben voilà, cette petite création va déjà être terminée. Elle est assez rapide. J'espère que elle vous aura plu. Hop,
Je vais mettre le petit bonhomme en pain d'épices ici en brillant aussi. J'aime bien mettre quelques touches de brillant comme ça. Je trouve ça fait joli. Ouais, je vais mettre un petit peu de doré au nœud du papier cadeau aussi. Là. Donc, je vais mettre les boules là, plutôt que celles qui sont dans le sapin. Hop. Ça donne un peu de lumière et de profondeur, je trouve, un peu aussi. Par contre, j'ai toujours peur que ça se bouge. Du coup, je mets une épingle dedans. Et mon petit tube ici, ça l'écarte et ça le craque à chaque fois. Donc, j'essayais de pas trop serrer pour pas trop le casser. Voilà, bah je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, c'était sur le thème de mettre son sapin de Noël. Pour le jour numéro 9. C'est sur le groupe Nataskrap. Voilà, et bien je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!